Mesdames, Messieurs, bonjour. En raison de mon statut d'élu le plus âgé, c'est-à-dire celui de doyen de cette Assemblée, il m'appartient de présider ce conseil municipal jusqu'à l'installation du futur maire. Dès que le nouveau maire sera élu, je vous le promets, je laisserai mon fauteuil. Je ne pense pas que ce statut de doyen soit une grande surprise pour vous toutes et vous tous, tant l'avancée en âge a été au centre, pour ne pas dire au cœur, de cette campagne électorale. À un tel point que je me suis demandé si, en guise de programme, je ne devais pas produire ma fiche d'état civil. Cela étant dit, je tiens à féliciter tous les élus, tout particulièrement celles et ceux qui le sont pour la première fois. Ils vont découvrir un mandat et une fonction d'élu local qui est, pour ce qui me concerne, une des plus belles fonctions. Elle permet d'être au contact de nos concitoyens. Elle est à l'écoute et à portée aussi de récriminations. C'est ce qui en fait d'ailleurs toute la beauté et la noblesse. Je suis certain que pour celles et ceux qui siègent pour la première fois, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils s'apprêtent à exercer leur mandat. Ceux qui siègent dans cette Assemblée depuis maintenant plusieurs mandats, ou qui sont plus anciens, connaissent parfaitement cette fonction d'élu, ses contraintes, ses ingratitudes, mais le fait qu'ils aient tenu à se représenter témoigne aussi tout l'intérêt qu'ils portent à cette fonction. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ne se sont pas représentés, soit parce qu'ils ont voulu faire valoir une retraite méritée, s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants, peut-être plus davantage qu'ils n'ont pu le faire jusqu'à présent, et qui ont occupé leurs fonctions avec talent, compétence et dévouement. À toutes celles-ci et ceux-là, je leur exprime au nom de la collectivité toute ma reconnaissance et ma gratitude. Je vous propose maintenant de passer au premier point de l'ordre du jour de cette séance. Et je me dois de vous donner les résultats des élections municipales. Liste la ville, la planète, pour un Créteil futur juste. Monsieur Laurent Catala, nombre de voix 6680, pourcentage 69,82%, nombre de sièges obtenus 45.
Liste Créteil, votre ville, conduite par M. Thierry Evrèche. Nombre de voix 2887, pourcentage 30,18, nombre de sièges 8. Je déclare donc installés les 53 élus dans leur fonction de conseillers municipaux. Je me dois aussi de vous communiquer le nom des deux élus au Conseil métropolitain, qui siégeront en tant que conseillers métropolitains, M. Laurent Catala et Mme Sylvie Simondec. Je vais maintenant procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Catala, présent. Mme Boulard-Magui. Madame Boulard-Magui, si vous voulez vous lever, peut-être ça permettra à tout le monde de faire connaissance, voilà, à l'appel de votre nom. Monsieur Pellissolo Antoine. Présent. Monsieur Pellissolo, on le voit facilement. Madame Garrigou-Gaucheran. Présent. Monsieur Elarar Albert. Madame Vallier-Chantal. Monsieur Place-Olivier. Madame Simondec. Monsieur Ducan. Madame Angle. Monsieur Le Guillou. Madame Hachemi. Monsieur Maïs. Madame Sol, Monsieur Mbumba, Madame Adnan Samira, Monsieur Hélin, Madame Méligne, Monsieur Bien, Madame Mattei, Monsieur Brault, Madame Rupert, Monsieur Urgin. Présent. Madame Diallo. Présent. Madame Morvan. Présent. Monsieur Toledano. Présent. Madame Vorchin. Présent. Monsieur Pessac. Présent. Madame Salvia. Présent. Monsieur Sasportas. Présent. Madame Després. Monsieur Dufeu. Madame Torchman, Monsieur Henry, présent. Madame Perrault, Monsieur Tari, présent. Madame Camara, présent. Monsieur Vanin, présent. Madame Anamba Onana, présent. Monsieur Ezor, présent. Madame Criston, Monsieur Mulumba, présent. Madame Dias, présent. Monsieur Tessèvre, présent. Madame Hénon, Monsieur Ebrèche, présent. Madame Rabat, présent. Monsieur Kérizit, présent. Monsieur, Madame, pardon, Garcia, Monsieur Ding, Madame Lowe, Monsieur Bétouche, Madame Dupuis, je constate que le quorum est atteint. Je vous propose maintenant de désigner un secrétaire de séance en la personne de Monsieur Jean-Philippe Bien. Et deux assesseurs, parmi les plus jeunes de notre Assemblée, Madame Marie Mattei, qui est la Benjamine, et Monsieur Bruno Kérissit.
Mes chers collègues, en application des articles L2122-4 et L2122-7 du code général des collectivités territoriales, j'invite le Conseil à procéder à l'élection du maire, scrutin secret, majorité absolue, 27 voix. Est-ce qu'il y a des candidats? Monsieur Thierry Ebrech. Monsieur Pellissolo. Monsieur le Président, chers collègues, au nom de la liste La vie de la planète, Créteil pour un futur juste, j'ai l'honneur de proposer la candidature de Monsieur Laurent Catala à l'élection du maire de Créteil. Merci Monsieur Pellissolo. Nous allons maintenant, mes chers collègues, passer à l'élection du maire. Quelques informations d'ordre pratique. Vous avez de part et d'autre de la tribune des isoloirs et vous avez une table qui est disposée à côté des isoloirs où vous trouverez les bulletins de M. Ebrech et le bulletin de M. Catala. Je déclare ouvert le scrutin. Et je vais appeler, bien sûr, les conseillers à voter. Monsieur Catala. Je vais à droite. Madame Boulard Magui, Monsieur Pellissolo se prépare. Il peut voter là. Madame Garrigou-Gaucheran. Monsieur Elahar Albert. Madame Vallier Chantal. Monsieur Place. Madame Simondec. Monsieur Ducamp. Madame Angle. Monsieur Leguillou, Jérôme. Madame Hachemi, Frédéric. Monsieur Maïs Monsef.
Madame Sol Josette. Monsieur Mbumba. Luc. Madame Adnan Samira. Monsieur Hélin Bruno. Madame Méligne Sylvie. Monsieur Bien Jean-Philippe. Madame Mattei Marie. Monsieur Bro Maurice. Madame Rupert Sylviane. Monsieur Urgin Axel. Madame Diallo Nelly. Madame Morvan Isabelle. Monsieur Toledano Eric. Madame Vorchin Magda. Monsieur Pessac Joël. Madame Salvia Marie-Christine. Madame Després Patrice. Monsieur Sasportas Michel, j'avais oublié, je vous demande pardon. Monsieur Dufeu Jean-François. Torchman Pascal. Monsieur Henri Mehdi. Madame Perrault Séverine. Monsieur Tari Mohamed. Madame Camara Marie-Louise. Monsieur Vanin Michel. Madame Anamba Onana Pauline. Monsieur Ezor Eric. Madame Christon Muriel.
Monsieur Mulumba Martin. Madame Dias Oumou. Monsieur Tessèdre Michel. Madame Hénon Dominique. Monsieur Ebrech Thierry. Madame Rabat Sonia. Monsieur Kérizit Bruno. Madame Garcia Claudette René. Monsieur Ding Emmanuel. Madame Lo Sophia. Monsieur Bétouche. Madame Dupuis. Nous allons maintenant procéder au dépouillement. Dès que les opérations de vote seront terminées, ce qui est le cas, dont les assesseurs vont compter les bulletins et ouvrir les enveloppes. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala.
Laurent Catala. Laurent Catala. Laurent Catala. Thierry Ebrech. Thierry Ebrecht. Thierry Ebrecht. Thierry Ebrecht. Laurent Catala. 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 Thierry Ebrech. Laurent Catala. 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 Thierry Ebrecht. Laurent Catala. 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 Thierry Ebrecht. Thierry Ebrecht. Laurent Catala. C'est fini.
Cher collègue, Laurent Catala, 45, Thierry Ebrèche, 8, je proclame élu maire Laurent Catala. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre confiance et remercier toutes les électrices et les électeurs qui m'ont permis aujourd'hui d'être élu maire. Je salue mon concurrent malheureux, et je me réjouis que dans notre ville, la campagne a été digne, contrairement à beaucoup d'autres collectivités. Je suis parfaitement conscient que nombre de nos concitoyens n'ont pas participé à ce scrutin. Il y a bien sûr la crise sanitaire et avec toutes ses conséquences, et notamment situation anxiogène, la nécessité aussi pour beaucoup de se protéger, car désigné comme public fragile. Mais la crise sanitaire n'explique pas tout. Il y a une réelle défiance à l'égard de la politique et surtout de la capacité des hommes et des femmes politiques à pouvoir répondre aux préoccupations de nos concitoyens et de résoudre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou au niveau local. Il y a également des raisons politiques. Nous avions 10 listes à Créteil au premier tour. Parmi ces 10 listes, une seule a fait connaître sa position pour le deuxième tour. Les autres ont parfois même incité nos concitoyens à s'abstenir, faisant l'amalgame entre leur position et anticipant sur l'abstention liée à la crise. Toujours est-il que cette situation exige de nous que nous redoublions d'efforts pour associer nos concitoyens à la conduite des affaires de la commune. C'est le sens de la démocratie locale et de la participation citoyenne à la vie de la cité. Dans cette perspective, les conseils de quartier vont être revivifiés. Plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de moyens et une méthode participative pour ce qui concerne les choix budgétaires. Disposition nouvelle également au niveau des conseils de quartier, qui ne seront plus coprésidés par un élu,
mais par les citoyens. Nécessité de mieux informer nos concitoyens en utilisant bien sûr le journal Vivre Ensemble, mais en développant également toutes les informations sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, aujourd'hui, notre conseil municipal est retransmis sur le site internet de la ville. Et il en sera ainsi pour toutes les réunions de l'Assemblée municipale. Le sens de cette élection, c'est aussi l'expression d'incertitude, voire d'angoisse, par rapport au devenir, tout particulièrement pour toutes celles et tous ceux qui intègrent les conséquences économiques et sociales de l'après-crise sanitaire. Nous devons placer la solidarité au cœur de toutes nos préoccupations. L'humain doit être au centre de nos décisions. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au premier adjoint, c'est-à-dire à Antoine Pellissolo, de piloter le dispositif d'action sociale qui devra renforcer les dispositifs municipaux en direction des plus précaires, de celles et de ceux qui risquent d'être plongés dans la précarité, et aussi celles et ceux qui se trouveront dans des situations sociales délicates à l'avenir. De la même façon, comme il était indiqué dans notre programme, il sera mis en place une mutuelle communale, laquelle mutuelle aura pour objet d'offrir à tous nos concitoyens qui ne disposent pas de cette couverture de prestations performantes et à un coût moindre. Nous abandonnerons financièrement les crédits dédiés à cette mutuelle pour la rendre toujours plus sociale. Nous devons également porter une attention toute particulière aux relations de voisinage, à l'entraide, en favorisant l'action des associations qui ont démontré au cours de cette crise toute leur utilité, bien sûr, mais aussi leur créativité et leur efficacité. Le service des soins à domicile des personnes en perte d'autonomie ou fragilisées par leur état sera renforcé et globalisé dans le temps. C'est-à-dire que ce service fonctionnera sur une période beaucoup plus longue dans la journée, y compris pendant les jours fériés et les week-ends. Nous allons nous attacher
à ce que cette période de la vie ne soit pas synonyme d'isolement, en créant les conditions d'inventorier les problèmes rencontrés par celles et ceux qui se trouvent dans une situation d'isolement. C'est ce que nous avons fait tout au long de la crise, c'est ce que nous avions fait précédemment à l'occasion de la canicule, c'est-à-dire avoir un dispositif d'écoute, d'encouragement permanent. Mes chers collègues, la deuxième aspiration de nos concitoyens qu'il faut prendre en compte, c'est bien sûr la transition énergétique, la transition écologique. Pour réussir dans cette voie, il faut recueillir l'assentiment de toutes et de tous. Des mesures hégémoniques, trop rapides ou trop brutales, ne peuvent créer que des ressentiments qui ne permettent pas à tous et à toutes d'adhérer à ces politiques. L'écologie, on l'a dit, ne doit pas être punitive, elle doit susciter l'enthousiasme et l'adhésion. C'est la raison pour laquelle je m'efforcerai de réviser tout le dispositif de ce qu'il est convenu d'appeler les coronapistes. Nous avons besoin, dans notre ville, de développer les pistes cyclables dans le cadre d'un partage équitable entre les différents usages. D'abord, pour ce qui concerne les transports collectifs, les bus, les circulations douces, le vélo, les trottinettes, la voiture. Mais ces dispositifs doivent être réfléchis, notamment en termes de circulation, avec un plan de circulation cohérent. Ils doivent veiller à ce que ces dispositifs ne portent pas préjudice au fonctionnement de la ville, à savoir les mobilités, bien entendu, mais également tout le fonctionnement d'une ville avec ce qui la constitue, ses commerces, ses activités économiques, ses administrations, ses établissements publics, bref, tout ce qui contribue à la vie de la cité. Je demanderai donc que nous aménagions sur la nationale 19, sur les trottoirs, des pistes là où elles sont, des pistes cyclables plus fonctionnelles, plus sécurisées et rayonnées et rénovées, et que soit supprimée la piste sur la chaussée. De la même façon, la piste que nous avons, nous, créée sur l'avenue du Général de Gaulle, devra s'arrêter au carrefour de Maison-Alfort, à la hauteur de l'école Osaratora, dans l'attente que le chantier du Grand Paris Express, c'est-à-dire à la gare de l'Échasse, soit terminé. Cette piste retrouvera sa continuité là où elle était au départ, c'est-à-dire dans la rue Eiffel, en axial.
Pour la piste qui relie le carrefour Pompadour au pont de Créteil, je souhaite qu'elle soit conservée sur un seul sens, c'est-à-dire que la même emprise permette la circulation dans les deux sens des cyclistes. C'est dans ce sens que nous allons engager les discussions avec le conseil départemental qui est à l'initiative de ces réalisations pour deux d'entre elles, en souhaitant que ces négociations respectent le point de vue de la commune. Si tel n'était pas le cas, je pense qu'il faudrait engager des procédures, car dans l'esprit des lois de décentralisation, il n'est pas question qu'une institution, en l'occurrence le département, de même peut-être la région, impose des choix à la collectivité de base qui est la commune. Ce n'est pas l'esprit des lois de décentralisation. Si effectivement la propriété de la chaussée appartient au département, le maire a des pouvoirs de police et doit pouvoir être en mesure de maîtriser sur son territoire la circulation pour qu'elle corresponde aux attentes et aux besoins de tous dans le cadre d'un partage équitable. Autrement dit, la situation que nous vivons aujourd'hui, et qui a peut-être d'ailleurs, si j'en juge le nombre de lettres que je reçois, a contribué peut-être à une certaine abstention dans la ville, cette situation n'est acceptable que dans le cadre de la crise sanitaire. Au-delà de la crise sanitaire, nous devons, pour ce qui nous concerne, sécuriser ce qui existe sur les trottoirs, aménager autant que possible les nouvelles voies pour qu'elles s'inscrivent dans cette orientation, et enfin dire qu'il n'est pas possible qu'on embolise la ville chef-lieu du Val-de-Marne dans son fonction quotidien, dans son fonctionnement quotidien, à travers des réalisations qui ne tiennent pas compte ni du plan de circulation de la ville, ni de ce qui existe. Cela dit, la transition écologique doit être au cœur de nos préoccupations, et j'y veillerai. La végétalisation de la ville. Nous sommes parmi les villes qui comptent le plus d'espaces verts, en termes de mètres carrés, par rapport à sa superficie dans le département. Ce n'est pas suffisant. Au pont de Créteil, comme nous l'avons indiqué, nous allons travailler cette entrée de ville dans ce sens, avec des jardins familiaux et les plantations qui seront nécessaires pour donner une continuité entre les bords de Marne et ces espaces. Dans le cadre du projet de rénovation du Mont-Mélie, en nous appuyant sur le talent d'un grand paysagiste, M. Pena, nous allons réaliser la forêt urbaine, c'est-à-dire multiplier par 10 le nombre d'arbres existants afin de garder, bien sûr, l'esthétisme de ce quartier, mais aussi permettre une végétalisation plus importante. Toujours dans le cadre de cette transition écologique, des jardins familiaux vont être développés, car non seulement c'est des lieux de socialisation,
de rencontres. C'est des lieux qui participent non seulement à la végétalisation, au verdissement de la commune, mais c'est aussi dans la situation sociale que nous pouvons prévoir des moyens de dépasser des situations difficiles pour certaines et certains de nos concitoyens. Nous allons continuer à œuvrer pour la transition énergétique. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment su. Créteil dispose d'un chauffage urbain de qualité, alimenté par 67% d'énergie renouvelable. La géothermie y contribue, la récupération de chaleur de l'usine d'incinération, plus la pompe à chaleur. Ce réseau de chauffage urbain sera étendu dans le secteur nord. Tout d'abord au niveau du Colombier, ensuite vers l'hôpital intercommunal, en espérant que l'hôpital pourra se raccorder et ainsi faire des économies essentielles au niveau budgétaire, mais aussi contribuer à limiter le rejet de gaz dans l'atmosphère. La rénovation thermique des logements a été largement amorcée, puisque nous avons, à la date d'aujourd'hui, isolé thermiquement ou rénové thermiquement plus de 3000 logements. À l'avenir, avec Créteil Habitat, nous devrons poursuivre cette politique. Poursuivre cette politique qui a quand même dans notre ville des résultats très positifs, 30 à 35% d'économies sur les charges de chauffage. C'est une mesure de pouvoir d'achat, mais c'est aussi 600 tonnes de gaz carbonique qui ne sont pas rejetées. Dans le cadre de cette transition écologique, nous créerons une maison de l'environnement qui devra être complémentaire d'ailleurs à la maison de la nature qui est située sur l'île de Loisir. Cette maison de l'environnement sera un lieu d'échange, de ressources, de pédagogie, de témoignages aussi pour valoriser ce qui aura pu être fait par l'institution municipale, mais également par tous les partenaires dans ce domaine. Je demanderai au syndicat mixte de la base de Loisir d'établir un diagnostic portant à la fois sur l'état de végétalisation actuel de la base de Loisir, sur la biodiversité, et en fonction de cette étude, nous efforcerons avec les autres partenaires, si c'est nécessaire, d'améliorer bien sûr ce cadre qui constitue pour la ville un atout très important, avec bien sûr le lac. Parlant de la base de Loisir, je ne peux oublier de parler des nuisances sonores
ou des comportements inciviles. J'ai demandé à monsieur le préfet de police, et tout d'abord au préfet du Val-de-Marne, qui a répondu favorablement à notre requête, d'améliorer la sécurité sur ce site qui peut difficilement être assuré compte tenu de l'affluence certains jours par les services de police de la ville, c'est-à-dire les commissariats, ou par notre propre service de sécurité. Pour les semaines qui viennent, une police montée assurera la sécurité sur la base de loisirs, avec l'intérêt, bien sûr, de ce que ça peut représenter comme animation pour les enfants, mais aussi efficacité pour parcourir ces 67 hectares de bases de loisirs ou de berges du lac. Mais pour aller jusqu'au bout d'une gestion rationnelle de cet espace, il est important de revoir le fonctionnement du syndicat mixte. Trois institutions sont représentées, la région, le département, la ville. C'est en soi une bonne chose, mais en termes de gouvernance, c'est un peu plus délicat et complexe. La raison pour laquelle je souhaiterais que, par convention, une de ces trois institutions, et si possible celle qui est la plus proche des gens, puisse assurer la totalité des prérogatives. Dans le même sens, et beaucoup peut-être d'entre vous ne le savent pas, il y a deux propriétaires fonciers sur la base de loisirs. Le département, pour ce qui concerne le parc départemental, c'est toute la partie de la butte et la partie sud, et le reste, bien sûr, le syndicat de la base. Il faut unifier les modes de gestion sur ces deux espaces. Et bien sûr, arriver à réduire ou à supprimer les nuisances sonores qui, souvent, empoisonnent la vie et la tranquillité de nombre de riverains de la base. J'ai parlé de la solidarité, j'ai parlé de la transition écologique. C'est important, même si j'ai le sentiment d'être un peu long, de dire également que nous continuerons à faire en sorte que Créteil soit une ville de culture, soit une ville sportive. D'ailleurs, il n'y a pas lieu de faire une distinction, souvent une sotte distinction, entre le sport et la culture. Les activités physiques et sportives sont aussi culturelles. Nous continuerons à soutenir nos institutions importantes, lieux de création, de diffusion, d'animation, que sont la MAC, le Centre national chorégraphique, un réseau très important de maisons de jeunes et de la culture, d'équipements, centres sociaux, et bien entendu, la vie associative qui permet à toutes les cristoliennes et les cristoliens non seulement d'être acteurs et pas simplement spectateurs, mais qui, à travers les rencontres, les échanges, les créations, les passions partagées, donne au vivre ensemble qui nous est cher, âme
et dynamisme. Je terminerai en parlant de la nécessité d'œuvrer au quotidien, par tous les moyens, contre les comportements incivils qui empoisonnent la vie quotidienne de nos concitoyens. Nuisances de toutes sortes, dépôts de déchets n'importe quand, n'importe où. Depuis quelques semaines, j'ai des masques sur la chaussée. Je suis bien entendu tout à fait acquis à l'idée de renforcer les moyens pour que notre ville soit toujours plus propre. Mais cet objectif ne sera atteint que si nous renforçons le sens civique de nos concitoyens. Information, éducation, répression, quand c'est cela nécessaire. Ça concerne bien sûr les nuisances sonores, j'en ai parlé, le stationnement anarchique, la propreté de la ville, le respect des espaces verts, des massifs de fleurs, bien sûr. Pour cela, bien sûr, nous devons faire preuve de pédagogie, mais aussi de fermeté chaque fois que c'est nécessaire, même si ce n'est pas ma prédisposition première. Nous avons créé les gardes urbains. Ils vont pouvoir s'inscrire dans cette démarche. Mais nous comptons nous appuyer surtout sur la police nationale et sur la qualité de nos relations. C'est en ce sens que nous déployons la vidéosurveillance sur le territoire de notre commune. Nous le ferons chaque fois que cela est nécessaire et aux endroits que le commissariat nous indique. Nous nous appuierons bien sûr sur le groupe contact de la police nationale et nous nous efforcerons au niveau des aménages urbains de désenclaver, c'est-à-dire faciliter la circulation, là où parfois la police a des difficultés d'accéder, d'éclairer, c'est ce que nous faisons, en prenant en compte la transition énergétique, afin de rendre notre ville plus sûre, plus apaisée, plus attractive et plus propre. Mesdames, Messieurs, j'aurais souhaité pouvoir vous dire que les années qui viennent vont être enthousiasmantes. Je crains que, suite à la crise que nous avons vécue, nous ayons des situations difficiles à surmonter, que ce soit sur le plan social, sur le plan financier. J'avais présenté les orientations budgétaires avec un large sourire. Pour une fois, nous avions un peu de marge, monsieur le directeur général. Nous avions même un peu de réserve. Il est vrai que la crise sanitaire a impacté à hauteur de 3 millions, notre budget. Cela ne doit pas nous empêcher d'être solidaires, d'être créatifs
et de répondre aux aspirations de nos concitoyens qui se sont manifestés à travers ces élections. Nous devons également, dans notre action, œuvrer contre toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, agir contre toutes les formes de racisme et nous engager avec force dans la coopération décentralisée pour affirmer notre ouverture sur le monde, notre solidarité avec les pays les plus pauvres, afin que Créteil soit à la fois au rendez-vous dans ce département du Val-de-Marne, dans cette région, mais aussi que toutes celles et tous ceux qui constituent cette communauté locale cristolienne et qui ont souvent des origines dans les quatre continents, sachent que notre ville aussi est solidaire, ouverte, accueillante et fraternelle. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à tous, mes chers collègues aussi, un mandat plein de réussite et que nous atteignons tous ensemble, collectivement, les objectifs que nous nous sommes fixés afin que ce territoire auquel nous sommes très attachés, cette ville que nous aimons, et au-delà de la ville, à tous ses habitants, nous assurions un avenir et un futur juste. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. La parole est à Monsieur Ebrecht. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, un petit retour en arrière. Dimanche 28 juin à 8 heures, la journée promet d'être magnifique. Il fait très beau, le marché du village est rapidement bondé, les gens sourient, plaisantent, s'entassent autour des étals, dans les commerces et sur les terrasses des cafés. Je me disais que la journée allait être très belle et que beaucoup de cristoliennes et de cristoliens allaient se rendre dans les bureaux de vote pour voter dans des bureaux sécurisés au maximum par nos services. Le résultat, plus de 77% d'abstention. Que l'on ne vienne pas me dire que la crainte du Covid-19 explique à lui seul ce score. Juste à côté ou devant nos bureaux de vote, nos concitoyens étaient agglutinés pour faire leurs courses. Le mal est profond et la crise de notre démocratie est évidente. Comme tous les Français, les cristoliens se détournent de la politique et nos concitoyens préfèrent s'exprimer dans la rue plutôt que dans les urnes. Tout l'indique. Gilets jaunes, grèves massives et répétitives, et maintenant, abstention pour une élection impliquant leur quotidien. Que nous soyons majorité ou opposition, nous devons réaliser que notre démocratie a perdu les élections, battue à plate couture. Le message est très clair. La majorité de nos concitoyens ne se sentent plus représentés et tournent le dos à nos institutions et à leurs représentants. Tout élu, quelle que soit sa sensibilité politique, doit se sentir impliqué et concerné par cette crise démocratique, peut-être encore plus grave que la crise sanitaire et la crise économique à venir. Parce que sans nos institutions et notre culture démocratique,
tout s'effondre pour mieux ouvrir les portes aux extrémistes et au totalitarisme. Je pense que nous devons radicalement changer notre vision et notre action politique, nous rapprocher de nos concitoyens, les écouter et les associer aux décisions qui les concernent. Le temps où des pseudo-monarques donnaient des ordres du haut de leur tour d'ivoire est définitivement révolu. Cela exige de nous toutes et de nous tous un engagement total, beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées. L'opposition municipale que j'ai l'honneur de conduire se tiendra à cette ligne de conduite et examinera les décisions de la majorité municipale à la lueur de ce constat. Nous ne ferons aucune concession quant aux décisions qui seront prises ou imposées. Elles devront avoir fait l'objet de concertations sur le terrain. Notre ville accuse de nombreux retards qu'il devient urgent de combler. Développement économique, commerce et artisanat, emploi, sûreté, propreté, accès aux personnes à mobilité réduite, économie verte. À propos d'écologie, et c'est un exemple symbolique, vous venez de l'évoquer, monsieur le maire, quand va-t-on mettre fin à ces ridicules pistes cyclables, soi-disant provisoires, où ne circule quasiment aucun cycliste, provoquant des embouteillages monstres, de la pollution et des irritations entre automobilistes? Je pense vraiment qu'il est grand temps de sortir des chimères idéologiques et de regarder la réalité en face. L'opposition Créteil-Vautreville sera toujours présente pour écouter les cristoliennes et les cristoliens et faire des propositions concrètes pour améliorer leur bien-être. Nous serons constructifs et vigilants pendant toute la mandature et nous saurons porter la parole de ceux qui n'ont pas été entendus ou qui ont renoncé à s'exprimer. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Madame Garriot. Merci beaucoup, monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs. C'est au nom du groupe des élus communistes et partenaires qu'avec émotion et fierté, je m'adresse à vous en ce conseil municipal d'installation. Monsieur le maire, cher Laurent Catala, nous tenons à saluer votre élection à la tête de cette nouvelle municipalité résolument ancrée à gauche. Nous nous félicitons de l'excellent score obtenu lors du second tour de ces élections municipales. En effet, 69,82% des électrices et électeurs cristoliens ont accordé leur confiance à notre liste. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Composée à parité de femmes et d'hommes, connue pour œuvrer dans le respect des valeurs de solidarité et de justice sociale qui vous animent, monsieur le maire, la nouvelle équipe rassemble sans clivage partisan, et c'est là sa force, des socialistes, des communistes, des personnalités de la société civile et écologistes. Tout d'abord, avant de revenir sur la séquence d'un scrutin municipal hors du commun, nous souhaitons exprimer toute notre compassion aux familles de notre ville qui ont été endeuillées lors de la crise sanitaire que nous avons traversée. Au-delà des applaudissements de 20 heures honorant les personnels de santé, nous voudrions rendre hommage à tous les professionnels qui ont continué à travailler. Parfois, sans protection suffisante, en tout cas au début de l'épidémie, ils nous ont soignés, transportés, nous ont permis de nous alimenter, d'éliminer nos déchets, ont entretenu nos espaces publics. À vous tous, les travailleurs peu visibles, peu reconnus, peu gratifiés
il est juste de rendre un hommage appuyé. Cette pandémie n'est pas terminée. Un répit a permis cependant d'organiser le deuxième tour. Ce scrutin, unique dans l'histoire de la Ve République, s'inscrira dans notre mémoire collective. Maintenu contre toute attente, le premier tour s'était tenu le 15 mars, non seulement dans un contexte de peur du coronavirus, mais aussi de défiance à l'égard d'un gouvernement plus acharné à faire adopter une réforme des retraites très impopulaire, plutôt qu'à protéger les Français du danger imminent de pandémie. Cette ambiance délétère a entraîné une très forte abstention, inhabituelle pour ces élections locales. Dans notre ville, les électrices et électeurs ont placé notre liste, conduite par Laurent Catala, nettement en tête. Du fait de la multiplication des candidatures, seule, en face de la nôtre, la liste de M. Thierry Ebrecht a pu rester en lice au second tour. Ce résultat témoigne des difficultés rencontrées par La République En Marche pour s'implanter sur le plan local. Il faut dire que le président Macron était apparu particulièrement hors sol tous ces derniers mois. La participation a été encore plus faible au second tour. Celui-ci s'est déroulé plus de 3 mois après le premier. Malgré les précautions rigoureuses dont les services de la ville ont entouré les deux scrutins, la forte inquiétude sanitaire et l'absence réelle d'enjeux expliquent cette abstention historique. Cette abstention est, il est vrai, un phénomène national, mais sa progression ne manque pas de nous inquiéter et devient un véritable défi à relever pour les élus que nous sommes. Certes, c'est primordial et nous nous en réjouissons. Lors de cette campagne insolite du deuxième tour, notre liste a rencontré un accueil favorable auprès des habitantes et des habitants. Il faut dire qu'auparavant, au plus fort de la tourmente sanitaire, pendant ce confinement rendu indispensable faute d'équipement et de matériel, l'État a complètement perdu pied. Les collectivités locales ont alors pris le relais de façon magistrale pour venir en aide aux professionnels de terrain, luttant au quotidien pour endiguer le fléau. Les élus, les agents municipaux, les associations soutenues par la ville et leurs bénévoles, les citoyens se sont impliqués de façon exemplaire pour agir tous ensemble pour le bien commun. Que tous les acteurs publics et privés qui ont soutenu les actions solidaires trouvent l'expression de notre immense gratitude. La municipalité a d'ailleurs édité un livre blanc où toutes les actions développées pendant la crise Covid-19 sont détaillées. Ainsi, chacun a pu reconnaître le rôle de la commune de Créteil et aussi celui du territoire du Grand Paris Sud-Est à venir comme bouclier sanitaire, mais aussi social et économique. Pour la population, le bilan des mandatures précédentes est positif. La ville de Créteil est dynamique, écologique et solidaire. C'est le bilan d'une majorité municipale stable auquel nous, communistes et partenaires, avons pris depuis 1995 une part que nous revendiquons avec fierté. Mais c'est aussi le travail de toute une équipe administrative et technique dont les agents sont engagés avec conviction au service du public. Saluons l'implication des services publics de proximité pour le bien-vivre à Créteil. Au cours de nos échanges avec les cristoliennes et cristoliens, nous avons entendu les attentes fortes en matière de logement, d'emploi, d'accès aux soins, de besoins de commerce de proximité et de transition écologique. Monsieur le maire l'a rappelé, ce seront des priorités de la prochaine mandature.
Dans le programme municipal de la majorité, nous nous engageons à renforcer les actions en matière de développement durable, de rénovation urbaine, de politique sociale et familiale, d'éducation, de prévention santé, de lutte contre toute forme de discrimination, d'accès au sport, à la culture, toutes actions plébiscitées par la population. Mais stabilité ne veut pas dire immobilisme. La ville innove également. Monsieur le maire l'a rappelé, il en est ainsi de l'embauche de gardes urbains pour lutter contre les incivilités et nuisances, comme de la mise en place imminente d'une complémentaire santé communale favorisant le remboursement des soins médicaux. Elle s'adapte aussi avec le programme dynamique anti-rouille 2020 de juillet-août, je vous le recommande, ou encore la retransmission en direct du conseil municipal de ce jour. Christoliennes et Christoliens, au cours de cette mandature, comme au cours de toutes celles qui ont précédé, vous trouverez les élus communistes et partenaires à votre écoute, à la disposition de tous, sans exclusion. Monsieur le maire, vous trouverez en nous des alliés loyaux et solidaires pour contribuer à la mise en œuvre du programme municipal avec l'ensemble de nos collègues de la majorité. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer les camarades de notre groupe qui, pour des raisons diverses, n'ont pas souhaité se représenter pour un nouveau mandat. Deux conseillers municipaux, Eddy Condroyer, jeune élu, nous quittent pour des raisons professionnelles. Madame Ala Babikir, appelée à rejoindre son pays natal, le Soudan, lequel s'est engagé dans une transition démocratique et où œuvre déjà son époux depuis plusieurs mois. Deux maires adjoints, Daniel de Fortescue, après près de 20 ans d'engagement pour notre commune et particulièrement dans le quartier Nord, elle prend une retraite bien méritée. Je ne doute pas que nous la croiserons souvent, Daniel, toujours présente dans diverses activités militantes. Quant à notre camarade Jean-Pierre Hainaut, il a effectué le même nombre d'années de mandat que Daniel. Lui, bien connu dans la ville, occupait le poste de maire adjoint au sport et a présidé notre groupe de 2014 à 2020. Solidaire, fraternel, humain, nous le remercions vivement. Il avait succédé dans ce rôle à Jean-Jacques Porcheron, communiste historique de Créteil, qui a toujours défendu, comme nous tous ici, le rassemblement des forces de progrès social et écologique. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? En vous demandant peut-être, je sais bien que vous n'avez frustré personne, mais sans tenir quand même à l'objet de ce conseil municipal. Il n'y a pas d'autres interventions? Bien, mes chers collègues, deux mots pour répondre à M. Ebrech et à Mme Garriou. Si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris, M. Ebrech, dans votre propos en creux, vous semblez mettre en cause la légitimité de l'élection. Alors, j'ai mal compris. Mais comme je n'avais pas entendu de félicitations, c'était assez cohérent, finalement, à la fois de vous abstenir sur les félicitations et de mettre en cause la légitimité. J'ai parlé du taux de participation et dit que j'étais le premier à le regretter, mais je n'aurais pas la cruauté de vous rappeler que parmi les listes en présence au premier tour, il y en avait davantage à droite qu'à gauche, et que c'est parmi celles de droite qu'il n'y a pas eu une incitation très forte à se manifester pour le deuxième tour. Ça a été un peu la même chose à gauche. D'ailleurs, on peut s'interroger
sur ces stratégies-là, mais je tiens moi tout particulièrement à saluer la candidate Madame Wifroux qui a été claire dans son positionnement. Mais ça, tout ça, c'est pas important. Ce qui me paraît plus important, et je ne pouvais pas tout évoquer dans mon intervention, c'est effectivement le soutien que nous devons apporter au secteur économique. Vous n'ignorez pas que c'est une compétence région et qu'au niveau du territoire, c'est une compétence de Grand Paris Sud-Est Avenir. Grand Paris Sud-Est Avenir a été particulièrement réactif puisqu'ils ont mis en place une cellule d'information et de conseil qui a pour objet de raccrocher les questions locales qui, et surtout les alertes qu'il pouvait y avoir à un dispositif national, voire régional. Nous avons abondé le fonds de résilience régional à hauteur de 350 000 euros, ce qui permettra, avec la région et d'autres financeurs, de venir en aide aux PME, TPE, dans des proportions conséquentes. Et vous n'ignorez pas non plus, puisque je vous en ai informé, qu'au niveau de Créteil, nous avons pris un certain nombre de dispositions. Chaque fois qu'une entreprise ou une association était locataire de la ville de Créteil ou de Créteil Habitat, nous avons procédé à une exonération de loyer durant les 3 mois de crise, que nous avons exonéré tous les commerces des taxes de voirie et que nous sommes en train de prendre une décision dont il faut mesurer les conséquences, c'est-à-dire de supprimer la taxe sur les enseignes. Donc il y a tout un dispositif qui est mis en place tant au niveau du territoire qu'au niveau de la ville de Créteil que vous n'ignorez pas. Et bien sûr, quand on veut protéger l'emploi de nos concitoyens, il faut effectivement soutenir les entreprises qui connaissent, qui ont connu, qui connaissent et qui connaîtront de graves difficultés. J'ai, je crois, répondu en partie aux questions que vous vous posez sur notamment les coronapistes. Et ainsi que sur les questions des incivilités. Nous n'avons pas la même position pour les traités. Vous êtes un tenant de la police municipale à hauteur d'une centaine d'agents, ce qui doit représenter un budget de 4 à 5 millions. Moi, je vous écoute, contrairement à vous, des fois, notamment sur votre Facebook Live. Donc, nous avons fait notre choix, c'est celui, effectivement, d'une collaboration forte avec la police nationale. Enfin, et j'en resterai là, parce que sur la question de la légitimité, c'est quelque chose que vous pouvez vous poser. Il y en a qui l'ont posé, il y en a qui l'ont posé au niveau de ma prise de fonction en 1977. Bon, j'étais plus le doyen, là j'étais le benjamin. On disait qu'Atala, il va tenir 6 mois. Bon, il se trouve que 43 ans après, je suis là. Et si, oui, je pense que en politique, si le problème que vous avez soulevé existe, ce n'est pas celui du, comme on dit souvent, du clientélisme. Parce qu'aujourd'hui, les élus locaux, quels qu'ils soient de droite ou de gauche, malheureusement, je dis malheureusement, répondent aux sollicitations davantage par la négative que par le positif, que ce soit au niveau de l'emploi, du logement ou d'autres choses. Donc, engageons-nous
avec force dans ce nouveau mandat, sans trop nous poser la question de la participation, même si elle doit être prise en compte. Madame Garrigou, je vous remercie de votre soutien. Vous me permettez de m'associer également à la douleur des familles qui ont été touchées par cette crise. Une surmortalité importante au niveau de notre ville et encore accentuée par les décès dans les 3 hôpitaux et dans les 3 EHPAD. Ce qui est certainement, en plus de la souffrance des familles, l'impossibilité pour elles de rendre hommage à leurs disparus. C'est la raison pour laquelle je demanderai à monsieur l'évêque, à monsieur le rabbin, à monsieur le pasteur, à l'ensemble des religions de la ville, si nous pouvons ensemble, et bien sûr dans le respect des règles de laïcité, organiser une cérémonie ou une manifestation pour rendre hommage à tous ces morts, de l'ordre de 300, je crois, sur la ville, dans cette période, et 500 si on prend en compte les décès déclarés dans les hôpitaux. Je remercie également tout le personnel soignant, mais j'ai eu l'occasion de le faire, et Éric Quézor, qui siège à la commission de surveillance de l'hôpital à Rimandor, avec le professeur Pellissolo, ont pu m'entendre vendredi dernier. J'ai adressé un message de remerciement et de gratitude à tous les personnels de l'hôpital, soignants mais aussi non-soignants, mais au-delà des soignants, à toutes celles et tous ceux, commerçants, personnel communal, personnel territorial, conseil de l'ordre des médecins, médecine libérale, infirmières, pharmaciens, à toutes et à tous, et j'en oublie beaucoup, qui ont contribué à atténuer les conséquences de cette crise qui a bouleversé nos vies durant de nombreuses semaines et que nous espérons tous qu'elle ne reviendra pas. S'il n'y a pas d'autres interventions... Ah, monsieur Wesch. Juste un mot, monsieur le maire. Non, parce que je ne vais pas vous laisser dire que je mets en cause la légitimité du scrutin. Alors, c'est, pas moi, ce que je... c'est moi qui vous mal avez compris. Très mal compris, mais c'est un peu votre habitude de toujours vous déformer mes propos. C'est ce que je mets en cause, ce dont j'ai parlé, c'est un constat qui concerne aussi bien Créteil que toutes les villes de France. C'est exactement ça. La légitimité du scrutin est validée, il n'y a pas de problème pour moi. De ce côté-là, je n'accepte pas ce propos. Et quant à la police municipale et aux problèmes de sécurité, nous aurons bien l'occasion d'en reparler durant ce mandat. Je pense que ça sera un objet de discussion entre nous. Mais les chiffres que vous apportez, vous le savez très bien, sont exagérés, très largement exagérés, puisque pouvant être pris en compte aussi bien par la région que l'État pour financer ce genre de service sur une commune comme Créteil, monsieur le maire. Vous le savez très bien. Mais bon, on aura l'occasion d'en redébattre, j'en suis sûr. Mais je voulais revenir sur votre premier propos que je n'accepte pas. Voilà. Je vous remercie. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons procéder maintenant à l'élection des maires adjoints. Il s'agit d'un scrutin de liste. On détermine le nombre. Avant de passer à l'élection des adjoints, il faut effectivement fixer le nombre. Donc, il vous est proposé, dans le cadre réglementaire qui fixe à 30% le nombre d'adjoints, de désigner par votre vote à bulletin secret 20 adjoints, dont 5 affectés au secteur, c'est-à-dire au quartier. 15 et 5. Donc, je vous consulte à main levée, je pense. Ceux qui sont d'accord pour suivre ma proposition le manifestent en levant la main. Les avis contraires,
Les abstentions ? Donc, nous allons désormais voter pour les 20 adjoints. Nous allons vous donner une liste avec les délégations de chaque élu, ce qui n'est pas obligatoire, mais ça vous permettra de constater que notre nouvelle équipe est en situation de pouvoir travailler dès demain. Est-ce que les listes sont distribuées ou elles sont à proximité des isoloirs, comme pour l'élection du maire? Donc nous allons procéder, si vous en êtes d'accord, de la même façon. Est-ce que M. Catala vote? Il vote. Bon, je vais voter. Tu as la liste? Je ne sais pas. Elle est là. Alors, M. Catala et Mme Boulard se préparent. Madame Boulard vote là, donc je vais là-bas. Je suis allé une fois à gauche, une fois à droite. C'est ni comment. Alors, je viens de constater qu'il n'y a pas les délégations sur le bulletin de vote, mais on va vous distribuer la liste avec les délégations. Madame Boulard a voté, Monsieur Pellissolo, Madame Garrigou-Gaucheran, Monsieur Elara, Madame Vallier, Monsieur Place, Madame Simondec, Monsieur Ducamp, Madame Angle, Monsieur Le Guillou, Madame Hachemi, Monsieur Maïs, Madame Sol, Monsieur Mbumba, Madame Adnan, Monsieur Hélin,
Madame Méligne. Monsieur Bien. Madame Mattei. Monsieur Bro. Madame Rupert. Monsieur Urgin. Madame Diallo. Madame Morvan. Monsieur Toledano. Madame Vorchin. Monsieur Pessac Joël. Madame Salvia Marie-Christine. Monsieur Sasportas Michel. Madame Després Patrice. Monsieur Dufeu Jean-François. Madame Torchman. Monsieur Henry. Madame Perrault. Monsieur Tari. Madame Camara. Monsieur Vanin. Madame Anamba Onana. Monsieur Ezor. Madame Criston. Monsieur Mulumba. Madame Dias. Monsieur Tessèdre. Et Madame Hénon.
quoi ça ? La liste de la charte en même temps. Hein, la charte, tu l'as où? Vous pouvez proclamer les résultats, puis la charte en secours. Oui. Hein? Oui. Mais mes chers collègues, pendant le dépouillement, conformément à l'article L1011-1-1, je vais vous lire la charte de l'élu local que vous avez dans votre dossier. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, c'est l'article 5, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Enfin, on vote ensuite pour le territoire. Ils ont tous été informés, ceux qui étaient au territoire. Bien, la liste des maires adjoints qui vous a été présentée a recueilli 45 suffrages. Donc, la liste est ainsi constituée. Premier maire adjoint, M. Antoine Pellissolo. Action sociale, famille, insertion et handicap. Deuxième maire adjoint, Madame Bagui Boulard, éducation, égalité des chances. Troisième maire adjoint, Olivier Place, démocratie locale, mémoire et anciens combattants. Martine Garrigou-Gaucheran, santé, retraité et liens intergénération. Cinquième maire adjoint, Albert Hélard, urbanisme. Sixième maire adjoint, Madame Sylvie Simondec, économie, université, transport, coordination des politiques publiques territoriales. Monsieur Moncef Maï, septième maire adjoint, commerce. Madame Sol, logement, 8e maire adjoint, 9e maire adjoint. Alain Ducamp, secteur ouest, entretien du cadre de vie, travaux, équipements, espaces publics et de proximité. Madame Magda Vorchin, 10e maire adjoint, culture. 11e maire adjoint, M. Axel Urgin, pardon, développement durable et transition écologique. M. Pessac, finance et prospective. Oh, j'ai oublié Mme Torchman, organisme de gestion paritaire et du personnel communal. Mme Chantal Vallier, petite enfance. Monsieur Luc Mboumba, secteur Nord. Madame Nelly Diallo, secteur Est. Monsieur Jérôme Le Guillou, sport. Madame Samira Adnan, secteur Sud. Madame Ashmi Frédéric, développement numérique. J'ai encore oublié Bruno. Monsieur Hélin, secteur centre. Le conseiller délégué. Je vous donne maintenant pour information la liste des conseillers délégués. Monsieur Éric Toledano, délégué auprès de Monsieur le maire pour la prévention de la délinquance et la sécurité. Madame Méligne, déléguée auprès de Monsieur Urgin pour le développement durable et la transition écologique. Monsieur Sasportas, délégué auprès de Madame Frédéric Hachmi à la ville connectée. Monsieur Philippe Bien, délégué pour les activités périscolaires et la jeunesse. Madame Dominique Hénon, déléguée auprès de Monsieur Bruno Hélin pour le secteur centre. Monsieur Vanin,
délégué auprès de M. Jérôme Leguillou pour les activités physiques et sportives. Madame Sylviane Rupert, déléguée auprès de M. Alain Ducamp pour le secteur ouest. Monsieur Bro Maurice, délégué à la coopération décentralisée. Et Madame Perrault, déléguée auprès de M. Joël Pessac pour la commande publique. Nous allons, mes chers collègues, maintenant procéder à l'élection des 20 conseillers territoriaux. Le vote doit se faire également à bulletin secret. Et nous allons procéder de la même façon, sachant que nous avons deux listes, la liste de la majorité municipale et la liste de M. Ebrech. Donc M. Catala va voter. Les bulletins sont là-bas. Madame Boulard, Monsieur Pellicello, Madame Garrigou, Gaucheron, Monsieur Albert Ellara, Madame Vallier, Monsieur Place, Madame Simon-Deck, Monsieur Ducamp, Madame Angle, Monsieur Leguillou, Madame Hachemi, Monsieur Maïs, Madame Sol, Monsieur Mbumba, Madame Adnan, Monsieur Hélin, Madame Méligne, Monsieur Bien. Madame Mathy,
Monsieur Brault. Madame Rupert. Monsieur Jean Axel. Madame Diallo se prépare. Madame Morvan. Monsieur Toledano. Madame Vorchin. Monsieur Pessac Joël. Madame Marie-Christine Salvia. Monsieur Sasportas. Madame Després. Monsieur Dufeu. Madame Torchman. Monsieur Henry. Madame Perrault. Monsieur Tari Mohamed. Madame Camara. Monsieur Vanin. Madame Anamba. Oh là là. Monsieur Ezor. Madame Christon. Monsieur Mulumba. Madame Dias. Monsieur Tessèdre. Madame Hénon. Monsieur Ebrèche. Madame Rabat. Monsieur Kérisi. Madame Garcia. Monsieur Ding. Madame Lowe. Monsieur Bétouche.
et Madame Dupuis. Mes chers collègues, j'ai oublié dans les conseillers délégués de citer notre Benjamin, Madame Mattei, à l'égalité homme-femme. Je vous prie de m'excuser, Madame Mattei. Liste majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Liste opposition. Opposition. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Opposition. Majorité municipale. 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 Majorité municipale.
Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. C'est moi qui ai le chef. Opposition municipale. Opposition municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Opposition municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Opposition municipale. Opposition municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. À la proportionnelle, à la plus forte moyenne, le résultat, Laurent Cataleur, enfin la liste, c'est 44 et la liste d'opposition, 8. Nul, 1. Pardon ? L'enveloppe ? Oui, l'enveloppe. Vous avez un stylo aussi ? Merci. Il faut faire le long des lieux ou pas ? Hein ? C'est bon ? Le calcul.
change rien de vote. Hein ? Ça change rien de vote. Je sais bien. Vous avez les 17 premiers, c'est la majorité. Et les 3. On a combien d'élus, nous ? Vous en avez 17. 17 sans compter les deux, là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les 3 derniers sont de l'opposition. D'accord. Voilà, jusqu'à 19, c'est la majorité. D'accord. Donc, la liste de la majorité municipale a 17 élus. C'est-à-dire de Laurent Catala jusqu'à Joël Pessac. Non, madame. C'est parce que vous avez les deux métropolitains de droite. Joël Pessac. Ça commence à partir du 3. Les autres, ils sont suppléants ou quoi? Non. C'est parce que vous avez les deux métropolitains qui sont de droite. Donc en fait, ça commence là. Ah. Donc, on en a élu 20. Et donc sur les 20, il y en a 17 et 3. D'accord. Pour l'opposition. 17 pour la majorité. Mais vous, c'est de droite puisque vous êtes métropolitain là-haut. Donc, il y a deux élus métropolitains, c'est Madame Simondec et Monsieur Catala. Et ensuite, nous avons 17 élus, c'est ça ? De la majorité. De la majorité et 3 de l'opposition. C'est le calcul à la plus forte, à la proportionnelle, à la plus forte aux moyennes. On est d'accord, Monsieur Ebrech ? C'est ça ? Je vous propose une suspension de séance de un quart d'heure avant d'étudier les différents rapports qui nous sont soumis. Je demanderai peut-être aux membres du bureau d'en profiter pour signer les procès-verbaux sur les différents scrutins. Donc, suspension de séance jusqu'à moins 20.
domaine. C'est bien. Combien? T'as combien? T'as réservé pour combien? Moi, je suis à Mélanie, moi. Mes chers collègues, si vous voulez bien reprendre place. Monsieur Albert. Ah, Linda, je n'avais pas vu. Ça va, Linda? Merci. Oh, ben là, c'est de la routine. Oui, je sais. Bonjour. Et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bon, ben on va attaquer les autres rapports, là. Ouais. Alors, le premier, c'est quoi? C'est vous qui rapportez, du coup. Hein. Sûr. Je vous laisse une lettre. Merci. Merci, monsieur. C'est lequel, alors? Vous avez une pochette avec tous les rapports. Hop. C'est fait. L'ordre du jour, rapport. Voilà, c'est bien. Ça, on l'a passé. Ça, c'est lequel? Les conseillers territoriaux. C'est fait, ça. Voilà. Et du coup, vous avez ensuite la délégation d'attribution du conseil municipal. Voilà. C'est moi qui rapporte, là? Oui. Je ne sais pas. Catherine, est-ce que Jean-Philippe reste là? Ou oui, oui. Oui. C'est le secrétaire de la séance. Ah, oui, oui. On reprend une séance normale. C'est le secrétaire, il reste. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons reprendre la séance. Et nous allons examiner la délibération suivante relative aux délégations du Conseil municipal au maire. En fonction de l'article L2122-22. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ou d'explication? C'est la reconduction des précédentes délégations. Il n'y a pas d'intervention. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur Ebrech? Abstention de votre groupe? Je suppose que tout le monde est pour, à part l'abstention du groupe de Monsieur Ebrech, dont la délibération est adoptée. Il vous est proposé ensuite la création de 3 commissions permanentes. Composé de la manière suivante, 15 élus pour la majorité, 3 de l'opposition, afin que dans chaque commission puisse siéger un élu. La répartition a été faite en contact avec M. Ebrech et avec l'ensemble des conseillers municipaux, en tenant compte bien sûr des différentes délégations des uns et des autres, et des secteurs concernés. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée.
Le point suivant concerne le règlement intérieur du conseil municipal, qui a fait l'objet d'une modification afin de permettre la retransmission du conseil sur le site internet de la ville. Est-ce qu'il y a des modifications supplémentaires qui sont demandées ? Il n'y en a pas. Bon, on peut toujours revenir pour modifier le règlement intérieur, mais si j'ai bien compris, il est adopté à l'unanimité. Ensuite, rapport suivant concerne la commission locale d'évaluation des charges transférées de la métropole du Grand Paris, dont nous avons un représentant titulaire et un représentant suppléant. Il vous est proposé M. Pessac et M. Vanin comme suppléants. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? La désignation de M. Pessac à la CLECT et de M. Vanin comme suppléants est décidée. La commission d'appel d'offres. Donc, pour la commission d'appel d'offres, il est proposé pour les titulaires, Monsieur Ducamp, Monsieur Vanin, Madame Garrigou, Monsieur Pessac, Madame Sonia Rabat. Pour les suppléants, Monsieur Dufeu, Monsieur Jérôme Leguillou, Madame Isabelle Morvan, Madame Sylvie Simondec, Monsieur Emmanuel Ding. Liste d'attente, M. Maïs et M. Abdoulaba Betouche. Pas d'objection. La commission d'appel d'offres est ainsi constituée. Putain, quel bordel ce dossier. Vous ne m'avez pas entendu, hein ? Commission de délégation du service public. Alors, pour les titulaires, M. Ducamp, M. Vanin, M. Mohamed Tari, M. Joël Pessac, Mme Vanessa Dupuis. Pour les suppléants, M. Dufeu, M. Leguillou, Mme Anamba Onana, Mme Sylvie Simondec, Mme Safia Lo. Liste d'attente, M. Monsef Maïs, Mme Garcia. Y a-t-il des objections ? Il n'y en a pas. Le rapport suivant, M. le directeur général, ça va être plus facile. Alors ensuite, vous savez que nous avons constitué un groupement de commandes entre le CCAS et la ville de Créteil. Donc pour ce groupement de commandes, il n'y a pas de désignation particulière à faire. Il vous est simplement demandé d'approuver le principe de créer ce groupement de commandes qui existait précédemment. Pas d'objection ? Toi, ça. Le rapport suivant. C'est l'élection des représentants de la ville de Créteil au syndicat mixte d'aménagement, d'études et de gestion de la base de loisirs, dont il vous est proposé par la majorité municipale, M. Olivier Place, M. Jérôme Leguillou, M. Michel Vanin. Est-ce qu'il y a des objections ? Je sais bien, M. Evrèche, que vous auriez souhaité faire partie de ce syndicat, mais c'est la représentation des institutions dans leur forme majoritaire, puisqu'il y en a 3 à la région, 3 au département et 3 pour la commune de Créteil. Donc, ceux qui sont favorables, le manifeste en levant la main.
Les avis contraires? Les abstentions? Et le dernier rapport que nous avons approuvé, c'est la mise à disposition des personnels entre la commune et le syndicat d'études d'aménagement de la base de loisirs. C'est l'adoption d'une convention, notamment transitoire, pour faire face à la situation estivale, compte tenu du départ à la retraite du directeur de la base de loisirs et de son adjoint. Allez-y, monsieur Lewesch. On aura un détail de cette convention, monsieur le maire ? Oui, bien sûr. Vous l'avez normalement, non ? On l'a reçu ? On vous l'envoie. On vous l'envoie, non ? Si vous ne l'avez pas, on vous l'envoie. Je regarde. Vous devriez l'avoir. Dans les annexes. Est-ce qu'il y a des questions diverses ? S'il n'y a pas de questions diverses, la séance est levée en invitant toutes celles et tous ceux qui le désirent, mais en respectant les mesures de distanciation, de bien vouloir passer dans la salle à côté où un verre de l'amitié est servi. Bon. Et vivement. Vivement qu'on passe au numérique. Vivement qu'on passe au numérique pour les rapports. C'est enregistré. Hein.